Salut à tous Celtis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur PES eFootball PES 2020 et on est toujours avec le Valencia FC. Je suis toujours en mode vers une légende et vous saviez, j'hésitais à quitter le club. On est quatrième, vous voyez au classement, et j'hésitais à quitter le club parce que l'entraîneur, depuis que j'étais arrivé, me faisait jouer latéral droit et ça me cassait les bonbons pour être honnête. Et là, du coup, bah tout d'un coup, il a changé. Je me suis dit, je vais avancer un petit peu de mon côté avant de faire une vidéo. Ça a changé. Maintenant, il me fait jouer avant-centre. Du coup, je suis titulaire en tant qu'avant-centre dans la plupart des matchs. J'ai fait quelques matchs et aujourd'hui, je vous ai gardé un match Valence contre Séville. Et c'est celui-là qu'on va faire. Donc voilà, je suis très content. On va voir le plan de jeu avant de commencer. Je suis avec Rodrigo. Donc, je suis qu'à 72 hein, en avant-centre, mais c'est déjà pas mal. Et du coup, bah, on a Kondogbia derrière nous. On a pris la place plus ou moins de Santimina. Je crois que Gamero est encore dans l'effectif aussi. Je dis pas de conneries, Gamero, est-ce qu'il est là? Je ne m'en rappelle plus, j'ai même pas fait gaffe. Mais en tout cas, voilà. Enfin, on a pu commencer à jouer en attaque. J'ai regardé, je suis à 4 passes D cette année entre le moment où je joue attaquant et le moment où je jouais latéral droit. Du coup, voilà, c'est quand même pas mal. Après la France, la Hollande, on se retrouve à Valence et on est enfin en attaque. Du coup, c'est cool. Mon poste à la base, c'était numéro 10. Mais écoutez, on va pas se plaindre de jouer en attaque. C'est quand même plutôt sympa, quoi. Allez, c'est parti. Du coup, bah, vu que je suis quand même plus un 10 dans l'âme, je vais quand même essayer d'aller faire un peu le jeu comme ça, par exemple. Ouh, le centre, il est beau. Ouh, dommage. On a failli marquer directement sur l'engagement. Là, ça aurait été super beau. En tout cas, c'est à Messalia, je crois. On est chez nous. Ouais, c'est ça. Et on accueille, du coup, Séville. Un bon choc de Liga, ça, Séville-Valence, quand même. Allez, il faut presser. Il va l'avoir, non? Ok. Je l'ai eu, la balle. Oh, je l'ai lobé. Nice. Allez, on va décaler sur la gauche. C'est passé. On va lui demander la balle. Yes. Ah, dommage. J'ai essayé de dribbler. J'ai essayé de... Je savais pas trop comment lui donner. Et je vais retourner au centre. J'ai réussi à tirer. Mais c'était trop compliqué. C'est Juan Soriano qui va se dégager tranquillement. Ok, c'est pour moi. Alors, tout de suite à gauche, je vais demander en profondeur. Allez, le centre. Oh, sur la tête de Rodrigo. Dommage. C'est Doku. Doku pour la relance. Allez, attention, ils vont avoir des contres, hein, c'est sûr, c'est clair et net. En tout cas, tous les ballons reviennent sur moi. Là, pour l'instant, j'aimante les ballons, c'est plutôt cool. Allez, l'une, deux, je lui remets. Allez, tu peux me la remettre même. Et c'est le but de Rodrigo, et donc une passe D de ma part. Nice. Ça fait plaisir. Franchement, toutes les balles arrivent sur moi. Là, je l'ai bien utilisé, le ballon. Et on va marquer ce but. C'est plutôt un beau but. But de Rodrigo. Passe décisive d'Altis. On va voir le ralenti. Regardez ça. Le jeu, il m'a remis à une touche. Je repasse. Il a le temps de repasser sur son pied droit. Et il tire angle fermé. Magnifique. Allez, 1-0. On va essayer d'enfoncer le clou là et de continuer comme ça. En tout cas, au championnat, il est quatrième. Donc, si on peut se qualifier pour la Ligue des Champions, ce sera parfait. Jouer le titre, ça va être quand même assez dur. Avec Valence, on sait qu'il y a les grosses écuries, l'Atlético, le Real, le Barça. C'est compliqué d'aller chercher le titre. Mais la Ligue des Champions, ça, il y a carrément moyen. D'ailleurs, Valence, qui, IRL, a sorti carrément l'Ajax du groupe. Hein. Très belle équipe de Valence. Et sortir l'Ajax, quand même, avec 10 points, c'est une belle perf pour eux. Hein. Allez, c'est parti, on est parti en contre-attaque. Je vais jouer avec Rodrigo, je vais continuer mon appel. Ah, dommage, on a fait un peu le même appel. Enfin, c'est surtout moi, j'ai fait le même appel que lui. C'était pas très judicieux, mais c'était plus ou moins le jeu. Ça joue derrière. Allez, 30 minutes de jeu pour le moment, ça y en est pas mal. Pour l'instant, je suis plutôt passeur que buteur. Hein. Mais bah, forcément, vu que j'étais
de formation plutôt numéro 10. Allez, j'ai récupéré le ballon. Oh, par contre, pourquoi il a balancé sur Rodrigo comme ça, c'est dommage. Ah, elle est sortie. J'avais demandé la balle là pour essayer de redéborder, mais elle est sortie avant. Yes. Le centre, c'est contré. Ouf, il va y avoir faute. Non, c'est bon, c'est une touche pour nous. Allez, j'essaie de me démarquer pour avoir la balle. Allez, on joue derrière. Je la demande. Oh, dommage, c'était bien joué, le petit ballon piqué comme ça. J'essaie de mettre ma tête. Ah, dommage, ça aurait pu passer, hein. En fait, c'est lui qui la met en corner, j'ai l'impression. Et non, en fait, c'est moi. Bon. Pas grave. On récupère ce ballon. Par contre, c'est dégagé en touche. 41e minute. Allez, on va aller jusqu'à la mi-temps comme ça, tranquillement, je pense. Il faudrait qu'on marque un deuxième but pour essayer de se mettre un petit peu à l'abri. Bon pressing. Allez, je suis avec Rodrigo. Je l'envoie sur le côté gauche. Moi, j'ai plus beaucoup d'énergie déjà. C'est ça, je manque beaucoup d'énergie. Hein. Allez, en retrait, pourquoi pas. Nice. Je tire. Oh, aïe, aïe, je lui redemande. Et c'est le but. Yes. Ah, je l'ai redemandé, j'étais un peu greedy, mais franchement, j'avais envie de marquer. Là, j'étais bien placé. Là, déjà, je la demande. J'aurais dû mettre une reprise. J'ai essayé de décaler sur le pied droit. Et là, il me la remet. Franchement, c'était nickel. La reprise. Et mon premier but cette année. Mon premier but sur mes nouvelles couleurs, sur les couleurs de Valence. Juste avant la mi-temps, 2-0. Une passe D, un but. Pour l'instant, tout se passe bien. Et on mène 2-0. Par contre, j'ai l'impression que je suis complètement cramé. On n'a pas laissé un seul tir, pas une seule occasion à Séville, mais j'ai l'impression que je suis un peu mort. J'espère qu'on va pas me sortir vite. Il va pas falloir que je fasse trop de courses, sinon je vais sortir très très vite dans cette deuxième période. Donc je vais essayer de pas trop faire d'efforts pour rien. Allez, ça c'est pour le goal, pour Neto, tranquillement, non. Oulala. Il joue un peu avec le feu. Allez. Double 1-2. Oh, je voulais tirer d'un coup. Oh, la balle qui restait comme ça un petit peu. J'ai failli pouvoir faire une reprise de volée. Ça aurait pu être pas mal. J'aurais pas dû demander la balle là. C'était pas très judicieux. Allez, ils repartent de derrière, Séville. Pas trop pressé pour pas trop me fatiguer. Je vais presser en marchant, mais pas en courant pour le moment. Allez, attention, 60e. Ça part sur le côté gauche, mais notre défenseur est là. Oh, le parpaing qu'il m'a mis là, par contre, c'était chaud. Allez, le pressing, il a réussi à centrer. Attention, surtout pas prendre un but tout de suite, là. On va laisser remonter la balle tranquillement. Kondogbia, j'ai l'impression. Non, il est là, Kondogbia. Aïe, je me suis fait prendre la balle, là. Allez, attention. On va pas faire de conneries non plus. On est un peu en train de s'endormir. Allez, je vais me battre. Nickel, c'est long là. Oh, dommage. Allez, je la remets à Rodrigo. À une touche de balle. Oh, c'est vraiment physiquement là que Kier, l'ancien Lillois, a réussi à repousser Rodrigo. Parce que là, en vitesse, il serait passé. Hein. Putain, c'était vraiment physique. Il lui a mis un coup de pression. Il n'a pas pu prendre la profondeur. Simon Kier, qui est quand même une sacrée armoire à glace. Et du coup, c'est pas passé à pas grand chose pour le coup. On a failli
avoir un Rodrigo qui allait tout seul au but. Allez, c'est bon, je vais utiliser mon énergie maintenant. Ça va être de toute façon la fin du match bientôt. On est à la 78e minute. Il y a une faute ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai pas vu ce qui s'est passé. Ouais, il y avait une faute. Allez, je vais demander la balle sur le côté. Voilà, on va essayer de la jouer. On fera pas assez fort. Nice. Ah, Rodrigo qui était parti en profondeur. Je pensais qu'il serait plus à côté de moi, plus près de moi. 85e minute. Allez, je fais l'effort. Allez, dernier effort, dernière contre-attaque. 86e minute. Ouh, j'aurais pas dû faire ça. Allez, faut pas se relâcher. Attention. C'est bon, tranquille. Et c'est fini. Bon, bah super match avec Valence, franchement. 2-0, une passe D, un but. Nickel. Vraiment, vraiment nickel pour la reprise, là. Est-ce qu'on peut voir ça? Buteur. Rodrigo, regardez la passe D. Hop. Elle est belle, hein, franchement. Le but est beau. La passe est pas mal du tout. Et ça, ça va être... non, ça, c'est pas... Ça, c'est un tir, c'est une occasion. On va essayer de voir le but quand même, de revoir le but. Voilà, ici. Je la demande, j'aurais dû tirer direct. Contrer. On me refait la passe et hop. Entre les deux défenseurs. Bon, en tout cas, c'est cool. Je pense qu'on est toujours quatrième. On n'a pas concédé beaucoup d'occases. En tout cas, c'est vachement plaisant. C'est vachement plus plaisant de jouer là que de jouer latéral, hein, honnêtement. C'est beaucoup plus sympa. Et on passe, on est toujours quatrième avec 43 points. Mais regardez devant, ça va trop vite. Les trois monstres, ils ont 54, 56, 58. Donc on n'arrivera jamais à aller aussi vite qu'eux. Mais on va essayer de continuer à garder cette quatrième place. Ce serait déjà pas mal. En tout cas, je vais avancer de mon côté. On se revoit du coup plus tard pour un match. Je ne sais pas quand on va faire. Je ne sais pas, je vais peut-être passer des matchs. Puis on se verra pour un gros match ou vers la fin de la saison, je sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un like si vous avez aimé la vidéo, si vous aimez la série. Et puis bah, je continuerai ça, de toute façon ne vous inquiétez pas. Même s'il n'y a pas de vidéo trop souvent, je continue. Il n'y a pas de souci. Allez, je vous laisse plus tard, c'était Altice, ciao à tous.